Voilà, monsieur Sudriès, tout est en place. Je vais vous montrer un film fort ancien, savez-vous. Passablement usé à force d'être projeté. Aussi vais-je vous demander toute votre indulgence. C'est en quelque sorte un document d'archives, un souvenir historique de l'époque où le grand séminaire de Saint-Flour avait encore des élèves, donc un film antérieur à l'année 1959, date à laquelle le séminaire a été fermé et les élèves envoyés à Clermont-Ferrand. Voici, du reste, la photo de cette vénérable maison qui a hébergé jusqu'à une centaine de séminaristes, peut-être même davantage à certaines époques. Et certains sont devenus célèbres, le bienheureux Jacques Berthieu, l'abbé Migne et le légendaire cardinal Saliège, pour ne citer que les principaux. Et j'ajouterai même le bienheureux Jean-Gabriel Perboire, jeune professeur lazariste, ici même, avant de partir en Chine, où il fut martyrisé. Le film en noir et blanc, que je vais maintenant vous projeter, va vous montrer ce qu'était la vie dans un grand séminaire 10 ans avant Vatican II. Vous voyez que ça commence à remonter un petit peu dans le temps. Voilà, eh bien, nous partons. Nous allons éteindre la lumière. D'un passé relativement récent et qui nous semble déjà si lointain. Tant le monde a évolué rapidement, tant l'Église a rajeuni. Des images témoins de la vie de 3 siècles, témoins de l'éternelle jeunesse de l'Église du Christ. Le film que vous découvrez en ce moment a été réalisé en 1953 à l'occasion du 3e centenaire. Cela explique en particulier que le chemin emprunté par ses visiteurs n'existe plus de nos jours. Et c'est bien dommage. Il a été remplacé par une route goudronnée destinée à desservir la nouvelle cité du foyer cantalien, réalisation d'Augustin Chauvet, construite dans ce qui était jadis le pré-Poulou, voisinant du côté de l'ouest l'enclos du grand séminaire. Le groupe de visiteurs est entré par la porte sud, celle qu'empruntaient les séminaristes pour se rendre en promenade à la maison de campagne de la Chassagne durant la belle saison.
Ils vont maintenant traverser une série de jardins ou de vergers en terrasse, bien exposés au soleil levant, parfaitement à l'abri du vent du nord. La terre arable est retenue par des murs impressionnants et solidement construits. La terrasse supérieure, la plus proche de l'édifice, est la cour de récréation. Le groupe va voir l'exposition du 3e centenaire réalisée par l'abbé Virolo dans la bibliothèque principale du Grand Séminaire. C'est par la pittoresque rue des Planchettes, avec son oratoire dédié à Saint-Roch, et malheureusement aujourd'hui disparu, que l'on accède à la porte du couchant, celle couramment utilisée par les piétons, comme par les automobilistes, car il s'agit ici d'une porte cochère. C'est la porte nord que l'on utilise pour se rendre plus rapidement à la ville haute. Nous apercevons tout à côté l'entrée de la chapelle, construite elle au 19e siècle. À gauche de ce monumental escalier de pierre se trouvait la réserve de viande à une époque où l'on n'avait pas encore inventé les chambres froides. Le réalisateur de ce noble édifice fut Monseigneur de Ribeyre. Il a signé son œuvre dans la pierre. Il existait aussi une porte du Levant, aujourd'hui disparue. Ouvrons une fenêtre pour regarder vivre ces personnages mystérieux que sont les séminaristes. Qu'ils fassent chaud ou froid, aux aurores, ils quittent leurs cellules. Ils se réunissent dans la salle dite des exercices. Et ils commencent leur journée par un cœur à cœur intime avec le Seigneur. Les séminaristes revêtent ce qui était à l'époque l'habit liturgique par excellence, le surplis. Et maintenant, dans le grand silence, commence l'oraison
ou réflexion brillante sur l'Évangile, car un prêtre doit s'efforcer de devenir un autre Christ. Après l'exercice spirituel, l'exercice physique. Ces sportifs font leur l'adage latin « mens sana in corpore sano ». L'esprit est d'autant plus alerte et vif que le corps est mieux entraîné et jouit d'un meilleur équilibre. Effectivement, il faudra une grande acuité d'esprit pour assister aux divers cours qui occuperont le plus clair de la journée. Un prêtre de paroisse doit être un spécialiste des différentes sciences sacrées. Monseigneur Magne, supérieur du grand séminaire, fait un cours de droit canonique. Il fut rappelé à Dieu quelques années avant la fermeture de cette vénérable maison, ainsi que le chanoine Vialard, professeur d'écriture sainte et familier de l'hébreu et de l'araméen, ces langues orientales dans lesquelles le Verbe de Dieu s'exprimait pour apporter au monde son message de salut dans cette Palestine qui, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, attire le regard de tant et tant d'hommes. Et voici le cours de l'abbé Querel, professeur de théologie morale et futur successeur de Monseigneur Magne au poste de supérieur du Grand Séminaire. Il est décédé en 1974. Même les séminaristes à donner à la prière et aux études n'oublient pas la parole de la Bible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Aider le jardinier du séminaire, n'est-ce pas une bonne façon de joindre l'utile à l'agréable? Dans une maison comprenant un chauffage central alimenté au charbon, on est surpris de voir d'impressionnantes piles de bois autour desquelles s'affairent ces jeunes gens aux muscles solides et aux gestes précis. Il faut dire qu'il existe dans cette maison une buanderie équipée pour toutes les lessives, grandes ou petites, et brûlant le bois des forêts de la Margeride ou des pignatelles de Ville-Dieu. Dans cette maison, il y a des sous-diacres et des diacres spécialement consacrés pour la prière. Ils chantent les louanges du Seigneur au moyen d'un bréviaire tout neuf. Rien d'étonnant qu'après tous ces exercices physiques, intellectuels et spirituels, les séminaristes aient besoin de reprendre des forces. Un réfectoire qui ne déparerait certes pas un monastère est là pour les accueillir. À tour de rôle, les séminaristes servent leurs maîtres et leurs confrères. Mais comme une soutane coûte cher, il est prudent de la protéger au moyen d'un tablier blanc. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu.
l'affrontement des philosophes et des théologiens dans une partie de basket digne des plus grands courts. Et voici venu le moment agréable entre tous, celui de la distribution du courrier, car la maman, là-bas, quelque part, en Châtaigneraie ou en Planèse, n'oublie pas le grand-fils abbé. Les religieuses de la Devèze ont rempli fidèlement au grand séminaire les tâches de lingère, cuisinière, intendante des années durant. Et même à l'heure actuelle, elles sont là pour accueillir les curés du diocèse lors des retraites annuelles et veiller sur l'hébergement des nombreux sessionnistes ou estivants. La Chassagne, la maison de campagne du grand séminaire, à 7 km de Saint-Flour, à l'orée d'un petit bois, face au viaduc de Garabit et à deux pas du site sauvage d'Alleuze. Cette maison est désormais vendue à une entreprise parisienne qui l'utilise pour les enfants de son personnel. À la belle saison, les séminaristes y prenaient leur congé hebdomadaire. On a érigé dans ce site la grande croix de pierre de la maison de campagne d'avant la séparation à Bégu, commune de Vabre. Et c'est bien à regret que les séminaristes quittaient le soir cette thébaïde. Avant de partir, ils tenaient à exprimer leur reconnaissance par un chant bien enlevé à Notre-Dame. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, chez nous. C'est un grand jour pour le séminaire. Monseigneur Marty, un enfant du Rouergue, devenu évêque de Saint-Flour, confère les ordres à plusieurs séminaristes dans leur chapelle. Avec quelle impatience n'ont-ils pas attendu ce moment ? Premier pas dans la cléricature, la tonsure. Et voici les sous-diacres et les diacres qui vont faire au Seigneur une oblation totale et définitive. Leur ordination est rendue effective par l'imposition des mains par l'évêque. Et voici l'ordination la plus solennelle, celle du prêtre. Le pontife procède à l'onction des mains qui vont distribuer le pain eucharistique et donner les sacrements aux hommes.
C'est maintenant l'invitation à partir, œuvrer pour le royaume de Dieu, dans les paroisses du diocèse, à la suite des apôtres, des évêques et des vétérans du sacerdoce. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le Seigneur. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.